appellerai, on ne sait jamais. Maman. Il m'appelle maman. Oh là là. Ça peut pas. Ça va. Il parle quelle langue? Il est sourd, il parle comme un sourd. Ça va faire tout à l'heure, mais pas ça, toi, mais ça. T'as compris ce qu'il a dit? Non, pas tout. Ah, c'est moi, rien du tout. Regarde ce que j'ai trouvé dans son sac. Mais d'où il sort cette photo? Aucune idée. Papa, photo? La voiture? Ah non, arrêtez! Pourquoi tu lui as filé la bagnole? Attends, tu vois bien qu'il est inoffensif, on dirait un chat perdu. Mais un chat perdu, on lui donne un os, pas une Audi A8! Si c'est votre femme qui lui a prêté le véhicule, y a pas eu vol. Y a eu prêt. Bon, ben alors, pour prêt, voilà, je porte plein de pour prêt. C'est sûrement un enfant abandonné. Ou alors, c'est peut-être ton fils. Oh, il manquerait plus que ça. Tu m'as déjà trompé. Hein? Elle s'appelle comment? C'est peut-être pas le bon endroit. On va aller la voir, ta poufiasse. Oh non, je t'en prie. Oh mon Dieu, André. Non mais comment t'as pu? Regarde-moi ça. Non, elle avait 40 ans de moins. Mais enfin, t'imaginer en train de la... Il veut nous présenter sa femme. Essayez de vous repérer au son de ma voix peut-être, hein. C'est tout droit, par ici. Oh mon Dieu. Tu vas avoir un petit-fils, André. Ah ben, ça pue en être fou, hein. Comment vous vous êtes rencontrés? Sur un site de rencontre. Alors un site de rencontre pour handicapés? Ah non, un site de cul. Ce type est un escroc qui s'introduit chez les gens pour les dépouiller. On va voir si t'es vraiment sourd. Qu'as-tu fait? Et voilà. Voilà, c'est un beau cadeau pour ton mariage. Ça t'intéresse pas de comprendre qui est ce gamin? Tu veux pas essayer de me faire confiance pour une fois? Toi, tu peux toujours avoir des enfants, mais elle, elle vit ça comme un deuil. Merci, Fata. De rien, connard. Connard? Hein? Non, un canard. Non, j'ai dit un canard. Votre Majesté, il me revient, après ces longues années de guerre avec l'Espagne, de veiller à tout prix à maintenir la paix. Nous pensons pour cela que votre mariage avec votre cousine Germaine, la fille de Philippe V, le roi d'Espagne, donnerait à la relation entre nos deux pays un tour apaisé. Ma chère fille, vous voilà désormais reine de France. Quant à vous, mon fils, nous allons vous marier à Louise-Élisabeth d'Orléans. Je ne veux pas y aller, monsieur. Vous irez. J'ai assez intrigué pour y parvenir. Les princesses sont faites pour être mariées et perpétuer une dynastie. Je suis charmé que vous ayez fait bon voyage. Vous ne mangez pas, madame? Vous pouvez manger avec les doigts si vous le souhaitez, hein. Je me souviens que l'on ne procédait pas autrement à Versailles. C'est l'avenir de l'Europe qui se joue ici. Le roi d'Espagne peut être imprévisible. Que disent exactement nos espions? Votre fille s'acclimate difficilement en Espagne. Le contraire m'aurait étonné. Non! J'aurais été un roi pathétique, lâche. Je crois qu'il est urgent d'assurer votre descendance. Je crains que l'infante soit inadaptée pour un tel emploi. Jamais vous n'approcherez cet enfant. Mais vous m'aimez, n'est-ce pas?